بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À toutes les frères et sœurs, une fois de plus, c'est le frère Abdul Karim qui revient à vous ce vendredi 15 mai 2020 dans le pays Cameroun, dans la ville de Baïgam, plus précisément dans le quartier appelé Maché, pour l'inauguration de notre deuxième puits. Le frère Abdul Karim du Cameroun, en collaboration avec le frère Yacoub Silla, pour l'inauguration de notre deuxième puits, opération Kaoussa puits Cameroun 2020, en partenariat avec Amanal Projet. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah. Voilà l'inauguration de notre deuxième puits, qui n'a pas été facile comme le premier, comme vous le constatez. Ça nous a un peu pris du temps, car nous avons rencontré des difficultés dans ce puits. Nous avons eu à trouver une roche très très solide dans ce puits, raison pour laquelle nous avons eu des difficultés qui n'a pas été facile comme le deuxième puits. Mais Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, voilà, nous avons percé la roche, car notre objectif était de faire bénéficier ce quartier, cette eau si propre et claire qui est à l'origine de vos contributions, chers frères et sœurs. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser pour ce bien que vous avez fait à ce quartier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le chef commence par donner la paix et saluer toutes les frères, que Allah subhanahu wa ta'ala met sa paix et la bénédiction dans toutes les frères. Ayouni ta fongoura. Et il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Ayouni ta fongoura. Ainsi de suite, il continue à remercier Allah. Ayouni ta fongoura. Une fois de plus, il remercie Allah. Mesdames et messieurs, et il dit, il ne savait pas que dans le quartier, il pouvait avoir cette eau qui pouvait plutôt sortir en bordure de la route. Il dit, ils ont vu vraiment les épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce jour-ci. Il dit, subitement, lorsqu'ils sont restés, nous avons pompé l'eau. Et vous avez vu comment elle est tellement sortie, et le père dit, c'est comme si l'eau sortait du ciel. Et il précise en disant que tous les passants vont consommer cette eau, ils vont boire cette eau, ainsi que les habitants, car ce puits a été fait à côté de cette mosquée. Donc tous les passants et ceux qui prient dans la mosquée, ils vont user de cette eau dont vous avez eu à creuser dans Alhamdulillah, nous vous remercions beaucoup, beaucoup, parce que avant on avait tellement besoin d'eau ici là, mais grâce à Allah on a eu cette chance pour avoir ce pont. Nous vous remercions beaucoup. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Jazakumullahu khairan, Barakallahu fikum, Nashkurukum kathiran.